Lucas arrive en sixième au collège Sacré-Cœur de Bouraille, en Nouvelle-Calédonie, où son papa vient d'être muté. Il se fait rapidement des amis. D'ailleurs, il s'entend très bien avec Kevin, un élève originaire de la tribu de Guaro, au bord de mer. Ryan Brésil. Présent. John Napoléon. Présent. Gwenolan Atterré. Présent. Kareshman. Présent. Isabelle Saint. Présent. Et Kevin Wetch. Présent. On va pouvoir commencer à travailler. C'est parti, vous avez ouvert vos affaires. Et tu viens chez moi ce week-end? Ouais, avec plaisir. Le week-end suivant, chez Kevin. Merci pour cette magnifique journée. On s'est super bien amusé. Ouais, c'était chouette de se baigner à la mer. Tu connais le Napoléon? Bien sûr que je le connais. Ça tombe bien, on va en manger ce soir. C'est un problème? Oh, excusez-moi, j'ai pris mon truc pour aller manger de la chèvre, mais... Ah ouais, baisse pas la tête, mon fils. Mange le poisson, c'est pas bon. Et l'autre, on est au 21e siècle. On n'est plus cannibale, sinon c'est toi qu'on aurait mangé. Le lundi suivant, au collège... Nous avons continué sur les espèces en voie de disparition. On a étudié ensemble le notou. Qui a un autre nom d'espèce en tête? La roussette. Très bien. Le cagou. Le cagou. John. Le requin. Le requin, parfait. Kevin. La tortue. La tortue. Oui. Bon. La Madame, le week-end, j'ai mangé du Napoléon. Le Napoléon est une espèce en voie de disparition comme beaucoup de celles que l'on a déjà étudiées. Et que pour sa capture, une amende peut être demandée de l'ordre de 1 million de francs CFP. Alors, il faut quand même retenir que le Napoléon est une espèce en voie de disparition dans tout le Pacifique. Ça, c'est beau dans nos assiettes, mais c'est encore meilleur dans notre lagon. Protégeons notre Napoléon. Et tu veux venir chez moi ce week-end? Oh ouais, je vais en parler avec mes parents. Lucas Reichmann. Juste pour la Nouvelle-Calédonie? Non, il faut savoir que c'est sur l'ensemble du Pacifique. C'est beau dans nos assiettes, mais c'est encore meilleur dans notre lagon. Protégeons notre Napoléon. Ça tombe bien, on va en manger ce soir. Le vendredi 27 septembre, la classe de 6e A a organisé une grève des déchets. Il s'agit de ramasser les déchets dans le collège et aux alentours de l'établissement. Plusieurs élèves d'autres classes ont participé à cette opération et ont ramassé 33 sacs de déchets. Nous avons fait cette grève des déchets pour dire à tout le monde que l'on doit protéger et respecter notre environnement. Bonjour Céliane, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Je ramasse les déchets qu'il y a dans la cour. Pourquoi? Ben comme ça, ça va faire que notre collège y soit moins sale. Et c'est bien de faire ça de temps en temps parce que c'est vrai qu'il y a souvent des déchets un peu partout. Bon là, il y a tellement de monde qui se sont inscrits qu'il n'y a plus beaucoup de déchets pour tout le monde. Mais voilà, ça sert quand même. Merci. Bonjour Alexis, pourquoi fais-tu ça? On fait ça pour, premièrement, pour nettoyer notre école, protéger notre environnement. Et surtout... C'est pour que notre planète vive encore longtemps.
Cette collecte de déchets a été un grand succès. Elle a mobilisé une quarantaine d'élèves de toutes classes et de tous niveaux. Et tout le monde s'est senti concerné par son environnement. Désormais, les déchets ne pollueront plus notre collège. Au dépotoir, les déchets! Notre planète Terre, la Terre nourricière, elle est notre mère, le ciel nous observe, observe, touche-nous. Depuis notre enfance, la Terre est offensée et perd ses défenses. La nature souffre, une odeur de soufre. L'eau n'est plus aussi pure à cause du mercure, l'eau de la rivière, l'écume de la mer, la rage et la colère. L'arbre est notre ami, notre cadeau offert, lui construire un abri. Notre belle forêt va être dévastée. Respect pour la terre. La brevée à l'enfer, usine rue de fer. Un manque d'oxygène, la peine a de la peine, trop de gaz sur la gêne. Notre terre brûlée, ce n'est que poussière, changeant de caractère. Plus de terre à terre, des feux incendiaires qui vont détruire l'air. Respect pour la terre. Nous devons arrêter, cesser de polluer, une solution trouvée pour vivre dans ce pays, évitant l'agonie. De bonnes intentions, stop à la destruction, pas par la pollution. Protégeons notre terre, elle nous est si chère, on a tous un bon fond. Respect pour la terre. Juste pour la sauver, il faut la protéger. Ne pas faire naufrage, que cela soit adage, réchauffement climatique devient trop critique. Ici c'est ma nature, après la réflexion, il est temps à l'action. Pour une belle verdure qui perdure plus pure. Restez pour la terre. Il faut être mature, murmure qui me rassure. Des arbres, des plantes, des fleurs qui me rendent mature, il est là pour envahir mon cœur. Respect pour la terre. Sauve-la pour ton futur et pour ton avenir, pour le monde à venir. Elle te remerciera d'avoir fait ça pour elle, la terre est notre modèle. À toi ma Calédonie.
Effectivement, les artères se bouchent, le cholestérol se développe et entraîne une mauvaise circulation du sang, ce qui entraîne des complications, une respiration difficile, un essoufflement, voire même des accidents cardiovasculaires. Et ces symptômes sont les conséquences de l'obésité, je suppose? Oui, entre autres, même si ce n'est pas la seule cause. Donnez-moi votre doigt, je vais prendre votre taux de glycémie. Du jaune avec les bananes, du rouge avec les tomates, du vert avec les avocats ou encore la salade, du marron avec les patates douces. En fait, il faut mélanger toutes les couleurs et en utiliser la dose modérée. Le rouge, c'est aussi la viande, mais juste un peu, pas trop. C'est très coloré. Oui, les couleurs, c'est très bon pour le moral en plus. Manger équilibré sans grignoter entre les repas et boire de l'eau si possible à la place des sodas. Et maintenant, nous avons avec nous un invité qui est Bob. Merci Bob. Yo Bob, t'es bon ou quoi? T'as soif? Allô? Bob, c'est maman. J'ai fait à manger pour toi. De la salade verte en entrée, un peu de poisson avec du taro. Et au dessert, de la papaye. Maman a pensé aux couleurs, hein? Fais vite, ça va être froid.